Salut YouTube, c'est Aerys, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon frère Jokebox. Il est passé Challenger 1050 LP avec Shaco, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, il te fait une game très pédagogique, très bien en fait, pour apprendre à jouer Shaco. J'espère qu'elle te permettra d'évoluer sur Shaco et d'en apprendre un peu plus. T'as aussi une playlist complète sur le champion sur ma chaîne YouTube. Pense à t'abonner, vous êtes entre 50 et 60% à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Je fais des vidéos avec des challs, GM. Sur toutes les nouveautés du jeu, je vous montre aussi des cas exceptionnels comme Jokebox qui est passé plus de 1000 LP avec Shaco. Et pense aussi à t'abonner à sa chaîne YouTube, tu veux voir des vrais gameplays si tu veux kiffer. À sa chaîne Twitch, pardon, pas YouTube. Avant, va t'abonner à sa chaîne Twitch qui est évidemment dans la description. Je suis évidemment comme d'habitude avec tous mes zouzous du chat. Si toi aussi tu veux devenir un zouzou du chat, rejoins-nous sur Twitch, on t'attend. Tu me dis que tu viens de YouTube, ça fait plaisir. Bisous BG. En gros, ça me fait plaisir de t'avoir sur le stream, ça y est, tu reprends en plus. Ouais. Ouais, je suis passé Chal, frère. Je reprenais. Chal 1000 LP avec Shaco, c'est une dinguerie quand même. Ouais, en plus j'ai fait un très bon win rate. Oui, en plus. Donc t'es passé Challenger 1000 LP avec Shaco. T'es même à plus, non? Ouais. Attends. Bah là, hier j'ai piqué à 1056 justement. Mais bon, j'ai perdu. Enfin, j'ai fait 3 wins, 3 défaites hier, je crois. Là, je suis à 1027 là. Il faut se rendre compte de la difficulté de passer Challenger avec Shaco. Hein. Ouais, c'est très dur, ouais. Champion est extrêmement dur à jouer, surtout plus tu montes. Et toi, tu joues un stuff plutôt basé sur... En low elo, c'est broken. Ouais. Bah, elo, c'est broken. Mais bah, par contre, à partir de Master, c'est... Je pense que c'est deflated, en vrai. Bah, comme Yi, comme beaucoup de champions, au final. Même pire, ouais, parce que... Il y a plein de champions, ouais. Après, Yi, non. Pour le coup, Yi, c'est fort, mais... Ah ouais? Shaco, c'est vraiment pas... Oui, Yi, c'est fort. Yi, c'est fort. Ok. ATM, c'est fort. C'est pas deflated, je pense que c'est... Plus dur à jouer. Ni deflated ni deflated. Ouais, non, c'est banal. Deflated, ok, ok, ouais, c'est banal. C'est normal. Ok. Eh ben écoute, comment t'as réussi à te mettre dans un mindset avec Shaco pour passer plus de Challenger plus de 1000 LP? Je sais pas, gros, j'ai juste tryhard. Hein. Ouais, t'étais tranquille, c'était banal. J'ai tryhard, en plus j'ai fait ça en 10 jours. Pas de ranked pour 1000 LP. Bon, ça va, banal, ok. Non, mais après j'ai spam 180 games, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais c'est une dinguerie quand même. C'est une ouais. dinguerie. Ouais. C'est quand même une dinguerie, frérot, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, je sais pas, gros. Bah écoute, vas-y, bah voilà, c'est une game, hein. Ouais, c'est une game. C'est quoi ton stuff? C'est BRK Draktar? BRK Draktar. Enfin, en premier, Berserk. Into BRK, into Draktar. Ok. Into. Là, si... enfin, après, s'ils ont de l'armure, tu fais Dominic. S'ils en ont pas, tu fais Collector. Et du coup, tu fais l'autre item après, suivant lequel t'as fait en premier. Ouais. Et à la fin, tu peux adapter, soit tu fais Edge of Night, soit GA, soit Mo, okay. Yumu, Avori, enfin il y a plein de choix. Okay. Mais les quatre premiers items sont toujours les mêmes. Eh bah écoute, go, hein. On va s'en faire un petit délice sur Shaco. C'est un champion que je déteste, autant jouer que jouer contre, c'est super chiant. Moi je kiffe en plus sur ces vidéos, tu vois. En plus, c'est cool, tu vois, c'est pas Shaco, il est pas du tout dans la méta, il y a pas eu de up ou quoi. Mais personne le joue en Chal apparemment. C'est un petit exploit d'être monté Chal 1000 LP avec Shaco, c'est une dinguerie, tu vois, c'est une vraie folie, tu vois. C'est pas comme si t'étais monté Chal 1000 LP avec Maokai, tu vois. Je crois que ça fait genre plusieurs saisons. Je crois que je suis celui qui a piqué le plus haut. Marex, il avait piqué à 1045, il me semble. Et j'ai piqué à 1056 hier. Ah, tu l'as mis une petite drill, quoi. Bon, très peu, frère. 10 LP, mais... C'est quand même ça, quoi. Du coup, tu joues AD, il y a pas de... Pour toi, non, c'est le meilleur build. Non, pas AP, pas AP. Du coup, ouais, on a... Sur Action Jungle en Chal. Ah, c'est pas... En vrai, c'est dur à jouer. Enfin, c'est pas vraiment jouable, Action Jungle. Tu peux pas clear les camps. C'est trop dur. Ouais, tu manques de clear, ouais. Non, tu vois, tu peux pas. Moi ça en est où les lots là, je viens de faire 3 wins d'affilée, j'ai mis drill sur drill, j'ai fait du 19-1 et tout, j'ai enculé les games. J'ai refait un nouveau compte là, j'ai 70% win rate en gold 2 là. Ah jure, nice. Ouais, là je commence à... Ouais je pense que je devrais y arriver. Du coup attends, est-ce que tu peux me montrer les runes vite fait? Tu les changes pas trop, ouais. Je crois avec Shaco. Non, c'est toujours les mêmes. Alors, Hail of Blade bien sûr. Ouais, normal. Parce que ça proc sur le clone, c'est ce qui fait le plus de DPS. Et vu que t'es un auto-attaque based, bah tes dégâts sont sur tes auto-attaques. Du coup, tu prends
donne le plus d'auto-attaque. Shipshot, c'est mieux que Sudden Impact parce que ça fait des dégâts bruts. Et en fait, le Sudden Impact marche pas sur ta première auto, c'est l'auto qui donne. Enfin, qui fait le plus de dégâts. Okay. Et du coup, ça a pas trop de value, Sudden Impact. Sudden Impact, ça a de la value que vraiment en late game, mais Shipshot overall dans la game est tout le temps mieux. Eyeball Collection pour l'AD, Treasure Hunter pour les gold. Il y en a qui aiment Relentless Hunter, mais je pense que Treasure Hunter est mieux parce que le but c'est de rush la BRK le plus vite. Okay. Et ça donne 440 gold en plus. T'as vraiment besoin de gold sur chaque O, c'est ça? Ouais, les gold, c'est le plus important. Okay. Les dégâts. Oh, tu me l'as dit en mode goblin, tu me dis les gold. Ouais, les gold. vraiment, je te jure. Et pareil, là, Absolute Focus Gathering Storm, c'est les deux runes qui donnent le plus de dégâts du jeu. Ouais, pour le scaling et après, attaque speed, force adaptative et HP, ouais, parce qu'en jungle, tu prends les HP, ce qui est le mieux. Attaque speed, AD, HP, Donc voilà, pour ceux qui arrivent dans la vidéo, chaque game, au début, vous faites stack red, please come all. Et quand c'est bleu, tu dis pareil au bleu? Non, bleu, les gens n'invade jamais. Ok. Généralement. Les gens pensent que chaque O start tout le temps. Voilà. Dites à votre team de stack au red. Voilà. Bon, pour ceux qui arrivent, en fait, on a déjà fait une game avant, une game qui s'est mal passée, le mid était à 1-10, c'était unplayable quoi. Ouais, c'était quasiment unplayable, ouais. On a montré ton petit OPG, 7-2 KDA, c'est une dinguerie quand même, 7-2 KDA sur 160 games, c'est quand même une folie, on va pas se mentir. J'ai jamais vu un mec avec un aussi bon KDA, je crois. 160 games, hein. C'est 7-2 KDA, tu meurs 2,8 fois par game, ça par contre c'est une folie aussi. Ok. Là tu vois, non, reste dans le bush. Ah ok, il y a Corki là. Ah c'est dommage frère, c'est vraiment dommage, on aurait dû rester dans le bush là. Oh là là, frère, vous auriez pu tuer tout le monde, non? Ouais, on aurait tué tout le monde. Il serait venu dans le bush, on aurait tué tout le monde. C'est triste, tant pis. Et du coup, tu disais que la box là que tu mets en entrée de jungle, on la pose à 33 secondes. Yep, 33. 33, 34, même 35, c'est faisable, mais c'est un peu les 35. Attends, j'ai peur de me faire invade là. Ils ont dû warder mon raid, ça va peut-être donner envie au compte de midvade. C'est tellement satisfaisant le clear avec Shaco par contre au début là quand tu commences tous les En vrai là je sais pas, le clear était bizarre, j'ai pu mettre mes box trop tard du coup Ok. Il s'est passé un truc chelou là. Non, me dis pas. Ok, ça va, normalement il meurt. Nice, parfait, ils sont tous morts. Ça t'arrive des fois de pas tous les tuer et que ça te nique ta game? Ça m'arrive une game sur 40, tu vois, mais ça me pète les couilles quand ça arrive. Ouais, normal. Des fois ça bug et tout, nos jeux avec les. Enfin, les interactions avec les box, c'est trop bizarre, genre. Ouais, c'est c'est vraiment bugué. C'est des trucs qui sont bizarrement gérés par le jeu. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il est déjà bot, frère. Ah, je peux rien faire là. Hein. Oh la bonne game. En vrai, elle a l'air quand même plus facile que la première au niveau des champions adverses. Des pics, ouais, des pics, etc. Oui, je suis d'accord. Je peux peut-être faire un truc là. Ah, ce qui me ferait plaisir, c'est que je prenne un petit kill en early là, histoire d'être bien. Mais elle a pas son. Ah, elle a pris son E niveau 2? Non. Oh, c'est le pire truc, frère. Au moins, on lui a cancel son back, c'est pas dégueu. Là, c'est dur. Ouais, tu l'empêches. Tu fais quoi? Tu l'empêches de back là? Non, je veux juste aller le tuer en vrai de vrai. C'est vraiment trop spécial comme gameplay, Shaco. C'est une folie. Oh, mais frère, il est là. Ah, je vais mourir en plus. Oh, je sais pas, il a eu le temps de le faire, j'ai trop le seum. Le Vel'Koz, c'est dommage, il l'a pas bloqué. Je sais pas pourquoi le Vel'Koz l'a pas bloqué là, no joke. C'était vraiment friqué. Il a pas trust, je pense. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi, genre. Je lui demande pas de suicider, il a son flash, sa barrière, il peut mettre un Q quoi. Jouer slow, le slow, etc. Tant pis. Bon, à peine. J'ai perdu beaucoup de temps là, mais. En fait, Karma, après son E niveau 2, je pensais qu'elle avait son W. Si elle avait son W, on tuait là, pote. Tu vois là, il bug encore. Ah ouais. Merde, putain, j'ai cancel mon auto. Oh, c'est une dinguerie ça en vrai. Et du coup, avec le nouveau Kier Jungle, c'est comment, Shaco?
c'est fine, c'est comme avant. Ok. Au niveau du clair. Dommage. J'ai pas ping le Wukong au top, my bot. Faut que. Y'a un slow push bot. Faut que j'y aille là. Faut que j'ai de la Jinx à crash. Soon. Tu vois, là Wukong et Karma peuvent être dans le. Enfin, Wukong et Sona peuvent être dans le bush, tu vois. Ok, ouais, t'as pas l'info. Ah, du coup, là, je dois rester là pour la cover. Attends, en vrai. Ouais, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Attends. En vrai, faut... on attend le support. Ok. Il est mort, lui. Ça joue là, non? Ah merde, putain, je pensais pas qu'elle avait les dégâts, my bad Jinx. Ok, on gratte le flash sur. Allez, un petit kill? Putain. Dommage. Après, double kill sur Jinx, c'est bien, mais c'est vrai que pour le coup, toi. Bah, après, ça va, ça te fait quand même 150 gold, mais bon. Ouais, c'est ok. Est-ce qu'on dive la Xayah? Ouais, elle en peut vrai. Pas rester la Xayah. Ouais, elle peut pas rester, elle peut pas rester. Elle est obligée de concede là. Ok, dommage. Bien joué ça de la Karma, c'est bien ce qu'elle fait la Karma. En fait, elle force la Xayah à back très loin. Du coup, la Xayah, elle perd beaucoup de temps. Elle perd du temps, ouais. Ouais, elle perd beaucoup de tempo et là, tous les creeps, elle est en train de les perdre, regarde. Elle est trop bien. Là, ma bot lane, je viens de les mettre trop bien. Juste parce que j'ai eu la vision de jeu de voir que Jinx avait un slow push bot et que du coup, pour le Wukong, il y avait un freeze pour sa team et que du coup. Tu disais très bien que quand un tes laners a un freeze, t'as envie de le gank pour mettre bien, tu vois. Bah moi j'étais en cooldown gank, tu vois. Ok, ouais. Après ça on voit pas beaucoup moi à bas elo des freeze, donc c'est vrai que c'est pas encore des mécaniques qu'on voit beaucoup, tu vois, mon elo. Et ouais, comme je disais dans la vidéo d'avant, c'est vrai que t'as tendance à beaucoup farmer avec Shaco, et ça c'est rare, y'a pas beaucoup de Shaco qui farme. Encore que là ça va, mais... La plupart c'est des coin flippers, ils gank pour gank, tu vois. Ils sont pas là sur les bons timings, juste ils voient une lane, ils courent dessus, ils se disent « Oh, bah peut-être ça passe », tu vois. C'est ça la différence entre un bon et un mauvais Shaco, je suppose. Ouais, vraiment. Bah par exemple, tout à l'heure, regarde, j'ai pas mis énormément de gank cette game. J'ai mis un gank mid, on a failli tuer, mais Vel'Koz a pas assez bien joué pour prendre le kill. Bon, c'est pas grave, tu vois. Mais normalement, ça donnait un kill. Là, j'ai gank bot, on a pris deux kills. Ouais. Moi, je vais pas faire des ganks... Genre, si je gank quelqu'un... C'est que soit je le mets ultra low, soit je prends son flash, soit je le tue, tu vois. Ok. La plupart du temps. Je gank pas juste pour gank, tu vois. Ouais, juste pour prendre des kills. Des fois gank juste pour gank, ça marche, mais c'est flip, tu vois. Ça, c'est pas tout le temps. C'est pas une valeur sûre. Ouais, parce que si tu bases tes games sur ça, bah les games ouais. Où y'a rien, bah c'est vide quoi, y'a plus rien. Exactement, ouais, exactement, t'as pas de game. Là, je peux pas par exemple. Surtout qu'en plus, ils ont nerf les ganks. Ils ont nerf. Ils ont donné plus de value. Corki, c'est chiant à gank. Attends, on peut peut-être faire un man bot là. Je sais pas pourquoi je sens un peu fort man. Un petit dive là? Ouais, y'a un monde où on dive là. Y'a beaucoup en counter gank là, je pense. On me dit, est-ce que Shaco Ignite c'est du troll? Non, les gars, ça se joue. C'est juste que bah, je pense. Ouais. Je sais pas. C'est bien. On deny encore une wave, on gagne des plaques. Ouais, faut faire gaffe là. Tu vas prendre les golds de la tour? Ah non, tu peux pas. Non, je peux pas, mais. Il y a Corki avec son package là, faux back. Là, tout ce qu'il veut c'est courir bot et mettre un package là, ça, c'est sûr à 100%. Ah, ils sont 4. Ouais, on le sait, hein. Tout le monde le sait là. Tu vois, là ça ping bien, là ça joue bien là, tu vois. Ouais, de ouf. Bah, c'est du Master 200-300 LP, c'est plus du Diamant 2 quoi. Ouais, franchement, je trouve ça joue mieux que la game d'avant là, vraiment. Après, l'équipe en face à la game d'avant jouait bien du coup, mais. Ouais, l'équipe, ouais, c'est vrai que l'équipe en face jouait très bien. Ah, j'arrive. Ah merde. Je le tue au moins, ok, nice. Je vais l'aider à... Ah non, il a un freeze en vrai. Ouais, il veut garder le freeze, c'est fine. Attends, est-ce que j'aurais dû lui freeze ou pas? Ah merde, j'aurais dû... Ah, quoique... Non, c'est bien, il a gardé son freeze. Ah, il back pas? Il aurait dû back là, tu vois. Là, il avait un bon freeze en vrai. Ah, peut-être qu'il a son item. Ouais, voilà, j'en ai... Putain... Frère, en fait, le truc, c'est que au début, je lui ai dit, viens, on crash. Et ensuite, il back. Du coup, je pars, tu vois, en pensant il va back. Et, ouais. Et après, il revient, il meurt du Wukong. Genre, là, il fait n'importe quoi, le mec. C'est dommage. Putain, t'as pas une game ultra snowball encore, hein. On va avoir encore une game où... Oh, je sais pas, j'ai pas de chance là, no joke. J'arrive pas à get des kills, c'est vraiment chiant. Il est à l'éral le Wukong là. Ouais, putain. Ouais, le problème c'est que j'avais pas pris au mid vu que mon Vel'Koz était mort, du coup je pouvais pas walk up dans la river. En vrai je pense que je vais juste reset là. What? Oh... Ok, elle meurt elle. Allez, prends le kill. Putain, c'est pas possible. T'as pas le droit au bonheur hein, aujourd'hui. Oh putain. Après, là j'ai la BRK. Là j'ai beaucoup de dégâts. Tu vas voir. Là c'est une game où justement j'ai eu mon spike BRK
assez fine, tu vois. 13 minutes, c'est décent, c'est la moyenne, tu vois. C'est pas regarde, trop t'es prêt tard, à voir les dégâts, c'est pas. Ouais, vas-y. Regarde les dégâts sur la sauna. Mais. What? Non, mais frère, non, mais c'est trop, wesh. Attends, il a prédit que. Ils avaient la vision là? Ils avaient la vision ou. Ils ont la vision là? Oh! Putain. Oh! Putain, c'est une dinguerie, frère. Oh! Alors là, venge-toi okay. De ce chien. Ah, dommage. Ouais, il a un sweeper le Wukong, je peux pas tuer le santé. T'as pas le droit au bonheur à chaque fois. Ah, c'est pas de chance, hein. Tant pis. Bah, la game est even, hein, y'a 6 à 7, après vous êtes un peu devant, mais. Ah, mais là, faut m'attendre, les amis, là. Attends. Nice, j'ai eu le red buff. Est-ce que tu auras le droit au bonheur? Non, j'ai non. Pas mon flash, je peux pas y aller. Oh, attends. Nice, c'était pas mal ça. Nice, j'ai dodge. Là, t'es en mode support, ça me fume, moi. T'as vu, j'ai pas de dégâts. Après, c'est KSNT aussi. Le clone va exploser, va le fear. Il est fear là. Nice. Ah, je peux pas. Ah putain, j'ai pas eu la range pour l'auto, j'ai le seum. Vas-y, Drake. Bon, bah t'es en mode support là, c'est pas grave. Ouais, tant pis. Hein. Tout présent sur 5 des 8 kills. Plutôt pas mal. Ouais, c'est ok. Hein. Vas-y, je back. Là, j'ai les bottes de Berserker, j'ai une épée longue aussi. Tu peux le tuer là? Ouais, je le tue. Il va pas faire la, il va faire l'erreur que Queen a pas fait tout à l'heure, je pense, cette fois-ci. Wow, les dégâts. Enfin okay, nice. Enfin. Enfin un kill, merci. Là tu vois j'ai mis la box dans le bush pour avoir la vision à la fin. Parce que mon E c'est cancel. Ok. T'as vu les dégâts avec BRK? Ouais c'est pas mal, les autos font mal. Hein. Juste avec BRK en plus. Ouais juste BRK, hein, juste BRK. Quand t'as 4 items gros, tu viens, tu mets 2 autos à un mec il meurt. Hein. Vas-y je fais bleu et je cours Herald instant. Tu vois là je me permets de faire ça, même si l'Herald spawn juste après parce que regarde. En combien de secondes je peux être à l'Herald? En très peu de secondes parce que j'ai la move speed de quand je tue le bleu. Je peux passer dans les bushs. Tu vois là je suis déjà à l'Herald là. Ouais c'est pour ça que tu joues au bleu, ok. Non il joue que AD ouais. Les gars, il joue pas AP. Là il y a des délices à faire au top là. Ouais. Oh la sauna. Le fait qu'il te donne de la MS, c'est une folie en vrai. Ouais. Attends, il va être là, non? Non, what? Il est là? Oh, le bâtard, il était là. Ok. C'était le vrai en fait! Bah ouais, il a fake. Il avait pas TP! Il a fake, il avait pas ouais. TP! Je pensais qu'il avait TP. Oh, le bâtard. Ouais. Ah ouais, c'est bien joué, hein? Ah, il avait bien joué. Ouais. C'est fou, tu meurs up, c'est une folie. Tu meurs jamais avec Shaco, c'est une dinguerie. Ouais, je connais parfaitement mes limites. Y'a le Drake dans 30. En vrai, j'aimerais bien faire le carap avant. Attends, non, y'a un catch mid à faire là. Qu'est-ce que je fais là? Oh, le délicieux Corki. Bon, t'as pas le droit au bonheur, mais tu l'as déchiré quand même. Ouais. Ok, je pense être là-dessus. Ah, ok. Bah, il est mort. Je voulais avoir le kill, j'ai flash pour le kill, mais. Je peux pas passer là. Elle va me E. Elle a pas son E? Ok, elle avait son E là. Bon, là, c'est fini, hein. Oh bah là c'est fou. Moi j'ai pas une game où j'ai beaucoup de. Bah après, s'il y a des gens qui veulent te voir un V9, pour ceux qui veulent te voir un ouais, V9, rendez-vous sur Twitch. Vous allez juste sur ma chaîne, ouais, vous allez juste sur ma chaîne. Je fais vraiment beaucoup de games où c'est des KDA Call of Duty, genre. Mais moi je préfère. Tu fais la mob ou pas? Objectivement un peu. 25 kills. En vrai, est-ce qu'ils peuvent le faire? Je pense que c'est pas ouf là. J'aurais pas dû Drake en vrai. C'est une erreur là. C'est vraiment une Après, erreur. Après tu les rejoins rapidement de son. Ouais mais là la team adverse sait que. Ok non ils savent peut-être pas du coup. Vu que je me montre là tu vois. Là je me montre du coup ils pensent que je suis pas Nash. Ok on l'a eu. Il y a une TP bot. C'est Kassanté? Non c'est Corki. Ok. Kassanté encore là. Ouais. Je savais il était là. Un peu de bonheur pour toi? Mais putain, frère. Oh, le running gag me foudre. Hein. Ok, je back. Nice. Ok. Bon, là, t'as le 2-0-8. J'ai trop d'assist là, c'est dommage. Je vends la pink pour une épée longue. Ça, c'est worth de le faire, by the way.
Ok. Shaco est tellement un perso qui rely sur les damage que tu privilégies les damage à tout. Tout. Okay. En solo, surtout en low elo, frère, les pinks. Bon, vas-y, on s'en fout, tu vois. Genre, honnêtement, ça changera pas grand chose dans la game. Là, je vais encore le one shot. Ok, là, c'est bien. Là, tu vas voir. Là, ok, je regarde. Là, je peux un peu tenter les damage. Et là, dis-toi, je suis pas très faible. Ok. Ok. Oh putain. Tu vois, c'est pas mal, tu vois. Bah. Là, à deux items, là, c'est vraiment bien, tu vois. Et dis-toi que là, si je suis faible et que j'ai pas les 8 assists et que je les ai en kill, c'est un one shot. Là, je mets deux autos, il meurt. Hein. Ouais. Oh, c'est une dinguerie. Mais ça, c'est tout ça, je l'ai préparé parce qu'en amont, je joue bien, tu vois. Genre, je meurs pas, je donne pas. Enfin, tu farmes, frère. Bien, tu farmes, tu vois, c'est. Ouais, je farme beaucoup, tu vois, c'est bien. Je me rends pas compte sur le KSNT ce que tu mets comme dégâts. Non, pas trop. J'ai pas encore de Dominique, tu vois. Mais par contre, si j'ai un Dominique, lui, je le tue. Ok. What? Ah, t'as vu? Quand il m'a R, ça a dézoomé ma caméra. Regarde, c'est bugué. Ah ouais? Ok, c'était bugué. Okay. Ouais, c'était bugué. Parce qu'en gros, il est mort pendant le R. Pendant le R, ouais. Okay. Bon, dommage, désolé pour la game, je peux pas. J'peux bah, pas... t'excuses pas, moi, elle est bien. Hein. Ouais. Pour moi, YouTube, elle est cool parce que s'ils veulent voir du 1v9, ils viennent sur Twitch, tu vois. Là, la game, ouais. Bah, t'as montré vrai, comment avec Shaco tu gagnes. Le moment le plus intéressant de la game, c'est le moment où je counter-gank le Wukong au bot. Parce ouais. Que j'ai vu que ma Jinx avait un slow push et que du coup, ça allait freeze pour la team adverse. Et du coup, bah, je savais que Wukong et Sona allaient vouloir tuer la Jinx sur ce timing et j'étais là et. Ça a carré la game, tu vois. Bah gros trop cool la game, bah moi je sais pas ce que vous en pensez de Twitch, pour moi c'est validé de fou, pour YouTube elle est super intéressante. Pour moi pour YouTube elle est super cool parce que t'as beaucoup, comme on l'a dit au début de la game, t'as beaucoup de Shaco qui flippent les ganks et toi tu n'as pas fait ça tu vois. Et pourtant bah deuxième goal de la game. Je joue juste comme un jungler normal tu vois, je joue juste comme un jungler normal.